nombreux poètes ont écrit des couplets, des refrains sur Paris. Que je ne sais plus quoi chanter pour vanter ta beauté, mon Paris. Est-ce ceci ou cela, autre chose ou bien quoi? Je ne sais pas. Pourquoi je suis tellement ému en passant dans une rue de Paris? Roger me parlait souvent de vous. Il disait que vous étiez un brave type. On essaye, quoi. Mais Paris, sous son air aimable et tendre, cache un visage souvent dur et impitoyable. Je peux pas boxer! Je suis trop cramé! Et c'est pour ça que je voudrais qu'il perde. Qu'on lui écrabouille sa petite gueule. Mais il n'y a pas que la boxe dans la vie. Mais pour toi, il va y avoir que ça. Puis je t'empêcherai de faire des conneries, même malgré toi, moi, j'entends. Oh, dis donc, hein! Les dictateurs, c'est les monnaies! Et puis moi, j'en ai marre d'obéir! J'ai le droit de vivre et d'aller où je veux! Victor, c'est un vrai curé. Mais les curés, ils n'ont pas de femme et de temps en temps, ils font la quête. Je peux vraiment devenir un grand boxeur? Laisse pas tout tomber comme ça. Pour toi d'abord, et puis... un peu pour moi aussi, quoi. Hein? C'est votre anniversaire? Oui, mais ça ne fait rien. C'est toujours une date importante, un anniversaire. Quel âge? 24. Et toi? On ne demande pas ça à une dame. Dans ces eaux-là. Et pour une femme, ça compte souvent double. Super. Qui mieux que le grand réalisateur français Marcel Carné saurait nous faire respirer l'air de Paris? Corrie, come back. Where are you going? T'es folle, non? Tu connais Jean-Marc. Tout Paris sera au courant demain matin. Je me moque du tout Paris. Et de Pierre, tu te moques aussi? T'es trop sentimentale, Victor. Ça vous emmerde, les femmes, hein, l'amitié? Oui, quand ça rend les hommes imbéciles. Oh, le moment où je te mettrai des coups de pompe dans la lune, toi, tiens. Dans ce film, Marcel Carné retrouve deux de ses interprètes favoris qu'il dirigea dans Le Jour se lève. Jean Gabin, que vous verrez dans le rôle de Victor sous un aspect entièrement nouveau. Écoute-moi, t'as jamais voulu me donner de détails sur ta vie, mais aujourd'hui tu parleras. Parce que t'as peut-être la tête dure, mais je suis breton, moi, t'entends? Alors vas-y, je t'écoute. Arletty, dans le rôle de Blanche, la femme de Victor. T'as invité l'armée française? Roland Le Saffre. La révélation du film Thérèse Raquin confirme tout son talent dans le rôle de Dédé, un môme de Paris qui a poussé dans le malheur, mais qui a en lui l'étoffe d'un grand champion. C'est tellement formidable ce qui m'arrive. La très parisienne Corinne, c'est Marie Demps. Et Jean Paredes est le couturier Jean-Marc. Une nuit positivement, Paul. Oh, qu'elle est belle. Ta parole, t'en ressors au cul.